gros les lieux où il y a le plus d'activité. Alors c'est toujours un peu la loterie. On ne sait jamais sur quel poste il va y avoir le plus d'activité. Après, on a les postes où on renforce un peu la place des terreaux, où on met deux postes de secours parce que c'est un peu une zone de goulot d'étranglement où on va avoir beaucoup de passages de personnes. D'année en année, on se rend compte qu'il y a tout ce qui est Vieux-Lyon, donc avec Saint-Jean. En plus d'avoir chaque année quelque chose sur la cathédrale, donc avec pareil un rassemblement de foule, on a tout ce qui est les pavés, les petites rues pavées, avec les difficultés sur les entorses, sur toutes les petites chutes. Et puis après, sur la deuxième partie de soirée, c'est un peu toutes les rues de Lyon, avec les personnes plus alcoolisées sur la fin de soirée, qui profitent du fait qu'il y a d'un monde dans la rue pour on va dire, extérioriser leur volonté de chercher des noises un peu à tout le monde.